deuxième manche. Kervella, nerveux, on le serait à moins. Cette fois-ci, les superstars sont partis en tête. Et Kervella rate son départ. Il est au moins 15e. Ça y est, ça recommence. Le mal français, la peur de gagner. Eh bien, non. Kervella remontera suffisamment de concurrents pour terminer sur le podium final. Il y a peut-être un mal français, il n'y a pas de mal breton. Devant, ça s'explique violemment. Van de Berg, numéro 9, Rodney Smith, numéro 31. On a raté la première manche, alors ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et on a vu du grand, du très grand motocross. Seulement, juste derrière, il y a l'Italien Andreani, le genre qui s'accroche. Mais pour l'instant, il est troisième. Et toc, l'Italien a passé tout le monde. Pour de l'imprévu, ça, c'est de l'imprévu. Il restera en tête. Smith, numéro 31, second. De Berg, numéro 9, troisième. Van Doorn, numéro 10, quatrième. Un Anglais et un Italien vainqueur, c'était pas possible. Un Français sur le podium, c'était pas croyable. Et Vlan, c'est comme ça. Alors, les gros méchants rattraperont-ils les jeunes loups ?